journée type, donc chez Orgema, donc moi je suis au centre de formation un jour et demi par semaine. La première journée, donc elle est consacrée pour ma part aux cours pratiques. Donc voilà, on passe vraiment toute la matinée et la journée dans la cuisine à faire notre mise en place, se préparer éventuellement aussi pour le service, quand le restaurant d'application est ouvert. Et pour ce qui est des cours théoriques, donc, pour ma part là c'est sur une demi-journée. Et voilà, on est vraiment concentré sur toute la partie théorique de la pâtisserie. Super, c'est super, on apprend plein de choses avec eux. On découvre beaucoup de choses, voilà, on sent qu'ils ils ont aussi été professionnels comme nous. L'objectif pour la formation, c'est de découvrir plein d'endroits. On a la chance dans le monde et même en France de pouvoir avoir un métier qui nous permet de bouger. Donc de découvrir plein d'endroits, plein de restaurants, principalement gastronomie, c'est ce que j'aime. Et puis derrière, de un ou plusieurs établissements, ce serait un beau rêve à accomplir. Moi j'ai choisi ce métier, je suis dans le vin depuis mes 15 ans, donc j'ai fait un bac pro viticulture œnologie, ensuite je suis allée en commerce. J'ai fait un peu de service après mes études encore BTS commerce et je trouvais que le service me plaisait beaucoup. J'ai un amour pour le vin, donc pour rejoindre les deux, le service et le vin, je me suis dit pourquoi pas la sommellerie, ça me manquait et ça permet de pousser un peu plus sur le savoir. Alors cette formation est utile puisqu'elle permet en fait de mettre en application ce qu'on voit au quotidien en formation, directement en entreprise, lors des services, tout ça. Le gros plus, c'est surtout sur la connaissance produit. Ça nous permet de pouvoir argumenter en fait sur, par exemple, la vente d'un certain type de cocktail ou d'un spiritueux, conseiller client. Et également, ça met en confiance, surtout de savoir pouvoir s'entraîner avec les autres personnes dans la formation, avoir vraiment un retour au niveau des formateurs qui est pro. Bah, ça nous permet, voilà, quand on arrive en situation en entreprise, de pouvoir tout de suite appliquer des bonnes astuces, des bonnes habitudes.